Joseph Léon et la victime étaient le propriétaire de cette ferme auberge à Petracorbar. Son corps, atteint de plusieurs coups de feu de fusil de chasse, dans le thorax et à l'arrière du crâne, avait été découvert à l'intérieur de l'un des gîtes. Un début d'incendie avait été constaté, le feu avait été mis à des documents déposés sur le cadavre. Très vite, à partir des indices retrouvés sur place, la piste familiale avait été privilégiée. Deux des fils de la victime avaient été arrêtés, soupçonnés d'avoir dérobé une forte somme d'argent à leur père, 15 000 euros. Depuis, l'un d'eux a bénéficié d'un non-lieu. Le second, prénommé Joseph comme son père, est lui renvoyé devant la cour d'assises de Bastia. Il sera le seul, dans le box, à comparaître pour meurtre sur ascendant et vol aggravé. L'accusé a toujours nié les faits, il risque la prison à perpétuité.